Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va réaliser ensemble encore une recette très rapide et très facile de croque-monsieur à ma façon. Pour ça, on a besoin de pain de mie, de jambon et de fromage de chèvre, de moutarde et de crème fraîche, d'emmental râpé et d'œufs. Donc je commence tout simplement par mélanger ma crème avec ma moutarde, mais après les sauces, hein, vous mettez ce que vous voulez bien évidemment. J'en mets sur mes 4 tranches, sachant que là j'ai de quoi faire 2 croque-monsieur tout simplement, mais je préfère en mettre sur le haut et sur le bas pour que ce soit meilleur. Ensuite, je viens déposer ma tranche de jambon que j'ai coupée en deux. Puis, je mets mon fromage de chèvre. Donc, vous pouvez mettre vraiment le fromage que vous désirez, hein. Ça, c'est pas un souci. Et autant que vous voulez aussi. Je mets mon emmental râpé. Puis je mets le pain du dessus. C'est déjà quasiment terminé. Maintenant, il ne reste plus qu'à les faire cuire. Donc, plusieurs choix s'offrent à vous. Moi, j'ai une poêle comme ceci, donc je m'en sers. Vous pouvez le faire ça aussi dans un toaster, évidemment, ou même au four. Ça marche très bien dans les trois cas. Même une poêle toute simple d'ailleurs, avec un peu de beurre au fond, et ça passe très très bien aussi. Je les fais cuire doucement et je les retourne. Maintenant, c'est déjà terminé, il me reste plus qu'à ajouter les œufs que j'ai fait cuire à part. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein plein de bisous, régalez-vous bien et je vous dis à très vite. Bye!